Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver sur notre plateau. C'est déjà notre 70e émission, comme l'année de naissance de Karine d'ailleurs. Karine, non, pas du tout. Ah bon, pas c'est parce que j'ai des mauvaises infos. Alors, bon, pardon, je suis désolé. On accueille donc Karine qui va nous proposer une activité de loisirs créatifs, mais suspense. Oui, récup. Récup créative. Bonjour Hello. Salut. Hello revient pour sa rubrique du DIY. On explique ce que c'est en gros pour nos amis. Fais-le toi-même. Voilà, et ne nous fais pas. Bon. Alors, donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme rubrique Aujourd'hui, je vais vous proposer un collier galaxie. Voilà, on est à l'orée de l'été, un petit collier, c'est sympa pour l'été, pour aller avec les hauts cours que tu nous avais fait il y a quelques semaines, aussi appelés débardeurs. Voilà, je suis incollable sur la mode des années 80 à nos jours, et ça, c'est quand même exceptionnel. On accueille également Aurélie et Carole de l'assaut Cours au bureau, qui viennent nous voir, qui est basée à Bagnères, je crois. Ah ouais, voilà, bonjour, et qui vont nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Mais avant tout, je tiens à vous préciser que après-demain, je ne sais pas s'il y a des fumeurs ici. Ah non. C'est la journée mondiale sans tabac. On a une ancienne fumeuse. Enfin, ancienne. Ancienne. Est-ce qu'on dévoile les coulisses, ou pas du tournage? Elle est en CDD en fait. Disons qu'elle est en voie de sevrage. Oui, c'est bien dit. Donc on vous rappelle que c'est la journée sans tabac, ce sera mardi. Allez, tout de suite le jingle DIY, et on retrouve Elodie. Pour cette rubrique collier galaxie, il va vous falloir une paire de ciseaux, un CD, 2004, hein, parce que bon, on est trop à la parce mode, que tu es toujours à la pointe, c'est ça quoi. De la musique, un CD et alors soit de la peinture acrylique, soit des vernis à ongles, une chaîne aussi parce que ça serait plutôt assez. Oui, pour un collier, c'est quand même sympa. C'est assez important. Pour commencer, il faut faire bouillir votre CD pendant environ 10 minutes. Le faire bouillir. Le faire bouillir pour que la pellicule là de peinture partent. D'accord. Donc on prend un CD. Ah oui, tu as oublié de préciser. Prenez un CD que vous n'écoutez plus. Mais oui, c'est pour ça que j'ai d'où le 2004. D'accord. Ok. Il faut le découper. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est à dire que tu mets ça à bouillir. Et ça. Et ça ressort comme ça. D'accord. Moi je prends, mais bon. Non. Vous le faites bouillir et vous le découpez. Donc moi je le fais en forme de triangle. C'est facile à découper une fois que... Oui, c'est facile, il faut juste une bonne paire de ciseaux. Comme, comme celle-là. Ok, bien très sûr. Bien. Donc, si la couche de peinture n'est pas complètement partie à l'eau, il suffit juste de racler un petit peu et ça part très facilement. Donc, on l'a découpé en forme de triangle, vous pouvez la découper en forme de rond, en forme d'étoile. Ouais. Moi, j'ai fait en forme de triangle parce que c'est le plus facile. Et parce que j'avais envie de coller en triangle. Alors, j'ai envie de vous dire, je fais un peu comme je veux. Il est possible aussi d'acheter directement les formes dans les merceries, les petits magasins, même grande surface, dans les rayons créatifs. Et on peut aussi le faire en pâte Fimo, qui est la pâte que vous passez au four. C'est très très bien ça pour les enfants. Ah oui. Et donc voilà, c'est possible aussi. Parce que les couleurs se mélangent, c'est une espèce comme une pâte à modeler, mais voilà, c'est très sympa et ça durcit. Donc après avoir découpé le CD en forme de triangle, le mieux c'est de le limer pour éviter de vous planter avec les angles. Et ensuite de faire deux trous. Donc moi je les ai fait à la perceuse. Bon, c'est mon papy qui l'a fait à la perceuse. Mais il y a les... Oui, le plus facile, c'est de faire avec par exemple des vernis à ongles ou de la peinture acrylique comme je vous ai dit. Donc moi j'ai choisi plein de couleurs. Du bleu. Mais en premier lieu, donc du foncé pour faire la couche du fond. La base, donc. La base. Et ensuite, j'ai choisi plein de couleurs parce que j'aime bien tout colorer. Donc, moi, j'ai choisi ces quatre couleurs. Voilà. Plus du blanc et ensuite une couche de vernis transparent pour faire briller parce que c'est bien joli. Et donc, pour fixer le tout, est-ce que tu veux qu'on te laisse peindre ou... Juste pour commencer, donc en fait le triangle, on commence à faire la base avec la couleur la plus foncée. Donc moi c'est du bleu foncé. Donc en le peignant normalement. Et ensuite avec de la mousse, donc moi j'ai récupéré une mousse qu'il y avait dans les boîtes à bijoux. Et ensuite en fait on tamponne, tapote plutôt, avec le vernis. Donc comme vous voulez soit... Et on met autant de couches qu'on veut. Autant de couches qu'on veut jusqu'à qu'on trouve que la couleur fait jolie. Donc on commence avec la couche de foncé. Après je mets un peu de chaque couleur. Je termine avec une autre couche de foncé mais en le tapotant.
et en mettant un peu de blanc après le vernis. Donc, on te laisse Je fais la couche du fond, je commence à tapoter et après. D'accord, et après on regarde le regard final quand tu fixeras aussi sur la, sur la chaîne. Ok. Très bien, on laisse donc travailler Elodie et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat final. Ce qui va nous laisser le temps d'accueillir nos invités, Aurélie et Carole, donc c'est dans ce sens-là, c'est Aurélie et Carole, de l'association Cours au Bureau. Donc qu'est-ce que c'est, d'où viennent-elles, qu'est-ce qu'elles proposent, c'est ce que vous allez nous expliquer dans quelques instants, ce sera après ce jingle invité. Alors, rebonjour, on est ravis de vous accueillir. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'asso Cours au Bureau, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes venus nous voir aujourd'hui? Qui a eu l'idée, je crois que c'est Carole, de la création de cette asso, et quel est son objet en fait? Alors, après avoir fait du cours particulier pendant des années, je me suis rendu compte que c'était très onéreux pour le public. Et donc, je me suis dit qu'avec une association, ça serait quand même plus abordable et qu'on pourrait faire des tarifs moindres et permettre de développer la culture et de donner un accès à l'éducation, à la culture, aux sciences, un plus grand nombre pour qu'ils puissent justement payer moins. D'accord. Donc à partir de là, quelle a été votre démarche ? On s'est associé avec plusieurs professeurs qui sont soit en retraite, soit en arrêt d'activité pour un certain temps, soit des professeurs qui n'ont jamais été dans le système comme moi. Et ils sont tous bénévoles. Et le but, c'est donc qu'ils viennent le nombre d'heures qu'ils peuvent nous octroyer dans l'association. Et chacun apporte un plus parce qu'il y en a certains, c'est pour les mathématiques, d'autres pour la physique. Aurélie, donc, qui est spécialiste pour les petits, qui est institutrice. Moi, je suis prof de français, prof d'anglais. Et donc chacun de nous fait des ateliers différents ou des cours particuliers. Mais le but de l'asso, en fait, c'est de faire du cours particulier pour en vivre, pour faire vivre l'asso au niveau des frais. On est en autonomie, si vous voulez. Et par contre, on a d'autres projets qui sont beaucoup plus associatifs et qui sont là vraiment pour aller vers des gens très démunis ou pour aller vers les tout petits, comme on a fait donc avec les ateliers de culture qui s'appellent les ateliers Qui lit tout. Et qui sont vraiment destinés aux enfants en bas âge, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, parce qu'en fait, l'éventail d'âge couvre quelle tranche? Donc les tout petits ans, jusqu'à. Les tout petits, jusqu'à adultes, on a le plus âgé cette année à 72 ans. D'accord, ah ouais, effectivement. Voilà. Donc il y a deux formes, il y a les cours. Soit le cours particulier classique. Et les ateliers. Et les ateliers beaucoup plus ludiques. Alors on a un anglais avec une dame britannique. Alors là, c'est des jeux, de la pâte à modeler, du chant, de la danse. Et on en a donc avec Aurélie autour d'apprentissage pédagogique de maths, de logique. De français. Oui, alors Aurélie, prenez un peu la parole, posez-vous Aurélie, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Quelle est votre participation au sein de l'association et comment vous êtes rencontrés en fait? Alors, moi je suis arrivée sur Bagnères très récemment. Je ne suis pas originaire du coup. D'accord, du coup, oui, parce que l'asso est basée sur Bagnères. Voilà. Et donc je cherchais à donner des cours particuliers, je suis tombée sur l'association et en fait Carole m'a présenté, elle m'a dit j'aimerais créer un projet de lutte contre l'illettrisme et le profil m'intéresse. Voilà. Donc je suis instite retraitée, jeune retraitée, et donc je suis en train de me reconvertir, je suis reconvertie dans une autre profession, je suis sophrologue, relaxologue. Ouais. Et donc, son projet m'a intéressée, donc on l'a mis en place au bout de deux mois. Oui. On a mis deux mois à peu près. Et donc là, on a trois ateliers en cours. Un atelier à peu près de cycle 2, un atelier de cycle 3 et un atelier début collège. Alors peut-être qu'on peut rappeler pour les gens qui nous regardent, cycle 2... Ah pardon. Mais il n'y a pas de souci. C'est le problème des instituts. On est sur une grande section, CP, alors nous, là, on a que du CP-CE1. Donc CP-CE1 et ensuite cycle 3, CE2, CM1, CM2. Voilà. Alors sachant que c'est en train de changer, on va jusqu'en 6e. Oui, là, maintenant, ça change. Mais on va même jusqu'en 5e. Aussi, en ce moment, jusqu'à 5e aussi, oui. Et l'intérêt de nos ateliers, c'est qu'il y a ce côté ludique, qui est tout à fait en rapport, voilà. C'est vraiment du jeu pendant une heure, mais des jeux qui sont guidés. Voilà, on fait aussi la méthodologie un petit peu, on travaille sur le mind mapping, l'intérêt, c'est pas de les gaver, c'est de leur donner des outils, de leur donner envie d'apprendre, et voilà. D'accord. Alors... Et qu'à travers le jeu, ils redécouvrent l'envie d'apprendre, ou le plaisir, qu'ils se rendent compte que c'est pas une charge, quelque chose qu'on subit, et comme ça, quand c'est attractif, c'est plus sympa, et du coup, ils peuvent s'ouvrir à plusieurs choses. Il y en a qui vont découvrir la science, d'autres qui vont découvrir les livres.
Et quel est le profil des familles qui vous contactent? Alors, il y a deux types. Il y a le type de famille qui vient, qui veut rémunérer son cours. Et par contre, on touche aussi un public plus précaire à travers les prestataires du RSA. D'accord. Et là, c'est gratuit totalement pour eux, sur justificatif le jour de l'inscription, pour que leurs enfants puissent accéder autant de fois qu'ils veulent dans la semaine. D'accord. Et donc, c'est eux là qui font la démarche ou c'est les services Les deux. Ah, d'accord. Il y a de la publicité, des affichages et on travaille avec aussi les acteurs sociaux qui nous aident ou d'autres associations. On aime bien travailler à plusieurs assos et s'entraider. Oui, un partenariat. Voilà, un partenariat et vraiment essayer de toucher le plus de monde possible, dont les prestataires du RSA. Parce que souvent, les parents ont vécu eux-mêmes l'échec. C'est ça. Donc, c'est difficile pour eux. Le but, on a touché aussi. Le but, c'était ça. Ouais. Du coup, je crois qu'on n'a pas dit depuis combien de temps existait l'association. L'association, ça fera 2 ans cet été. D'accord. Voilà. Donc, somme toute, c'est assez récente, mais en même temps, assez pour avoir un peu de recul et voir la progression que vous avez eue depuis le début. Quelle est votre analyse de ce que vous avez mis en place quand même? C'est une expansion. Ouais. Oui, c'est vraiment, on est en train de toucher plus de monde, mais grâce à des gens comme vous aussi, qui nous accueillent, et puis grâce à des partenaires, et beaucoup de diffusion en affichage, en flyer. Et c'est vrai que les gens parlent à peu près, oui, beaucoup de nous quand même. Et ça commence à se savoir dans les écoles aussi, d'accord, avec des directeurs d'école qui, parfois, veulent bien nous accueillir pour les ateliers des parents. Oui, parce qu'on a aussi des ateliers parents. Ah ouais, on peut expliquer ce que c'est, ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Oui, en fait, c'est parti d'un constat que souvent la difficulté des enfants, enfin les enfants en difficulté scolaire, souvent les parents ont un passif compliqué avec l'école, donc le rapport du parent avec l'école va se refléter sur l'enfant avec l'école. Donc le but, c'était, à partir de ce constat-là, que faire pour aider l'enfant à recréer ce lien et le parent à retourner un petit peu à l'école en fait et non pas prendre les enseignants à l'école comme une entité difficile à appréhender. Donc en fait on a mis sur pied des ateliers. On se retrouve autour d'un café. D'un café, on aborde des thèmes, un thème particulier. Alors on a juste mis ça en place. Oui, mais, ça vient de commencer. C'est récent. Oui. Donc c'est des groupes de discussion. Nous on n'apporte pas de. De jugement. Voilà, on n'a pas vu. C'est vraiment accueillir les gens. C'est un échange. C'est un échange autour d'un thème et on aimerait faire intervenir après des personnes. Il va y avoir une diététicienne qui va venir pour expliquer justement que les enfants ont des rythmes, ont besoin d'une certaine nourriture pour être en forme. Il va y avoir le danger des écrans, mais aussi la nécessité de savoir s'en servir parce que de nos jours, on ne peut pas passer en dehors. C'est pas que dangereux. Ouais. Il y a la partie dangereuse des écrans et la partie, éducation. Et peut-être même un jour des ateliers avec Véronique en cuisine. Véronique de Pomme Cuisine qui nous propose sa recette, vous le savez, régulièrement. Donc en fait, on parle de. Quand on dit cours au bureau, c'est vrai que nous, quand on vous a contacté avec ce libellé-là, on le relie forcément à de l'aide aux devoirs ou des choses comme ça, mais en fait, c'est beaucoup vous faites plus. Une approche beaucoup plus globale. C'est cette année que ça s'est ouvert beaucoup plus. La première année de l'ouverture, on a été obligé de mettre en place les cours particuliers pour justement subvenir aux frais quotidiens, la partie pas amusante. Et ensuite, on a pu ouvrir à ces projets beaucoup plus sympas et qu'on va continuer parce qu'on va mettre en place aussi là bientôt le français langue étrangère pour toutes les personnes qui ont besoin soit de retrouver un emploi et qui maîtrisent mal le français alors que c'est leur langue, parce que ça existe aussi, et surtout pour si on a des réfugiés, des étrangers hors Europe. Il y a une demande. Il y a une demande sur le secteur de Bagnères. D'accord. Voilà. Alors, si les gens qui nous regardent veulent vous contacter, on rappelle que vous êtes basé sur Bagnères. Voilà, à Bagnères, au centre-ville. Oui, on peut donner l'adresse si vous l'avez. C'est dans la galerie marchande des Coustous. Principale. Les Bagnères et Sade. Voilà, et c'est ça l'essentiel. Mais je vais vous donner la page Facebook, donc c'est Asso Cours au Bureau, tout attaché. Que vous pouvez taper sur Facebook pour entrer en contact avec Aurélie et Carole, et puis ainsi proposer. D'adhérer à vos ateliers au soutien scolaire. Ça fonctionne pendant les vacances ou vous fonctionnez? Oui, toujours. On est ouvert même pendant les vacances. Et comme on est plusieurs bénévoles, on fait des roulements, donc on est ouvert tout le temps. Très bien. Quasiment. Donc vous proposez des ateliers. Je pense que vous êtes également ouverte à tout ce qui est art plastique. Ça tombe bien, je vous présente Karine, qui va nous proposer et qui nous propose régulièrement une activité de récup créative ou de loisirs créatifs. Et donc je vous propose de la retrouver dans quelques instants, mais on fait un petit détour par Hello. Hello, on est au niveau de la peinture. Donc j'ai terminé de tapoter chaque couleur l'une après l'autre.
grâce à mon petit, ma petite mousse. Et ensuite, donc, j'ai appliqué le vernis transparent pour que ça brille un peu à la lumière. Et il manque c'est le moment de... Mettre la chaîne. Donc, on met la chaîne et à la fin, ça amène un collier. Je sais pas si... Si, complètement, on voit complètement. Et ça donc, ça fait un peu la galaxie. Oui, complètement. On s'y croirait, quoi. C'est très sympa. C'est énorme. Et on retrouve la fiche technique sur la page Facebook. On la mettra en ligne dès la diffusion de cette émission. Alors, comme je vous le disais, on va aller essayer à la récupérative. Vous êtes prêtes? Oui. Donc, c'est parti. Karine, on te suit. On va dans ton atelier. Alors, on est dans ton atelier. Qu'est-ce que tu nous proposes, Karinette? Aujourd'hui, je n'étais pas inspirée. J'avais vraiment des difficultés à trouver une idée. Puis j'ai trouvé ce cadre, ce morceau de cadre à la maison. J'ai trouvé du grillage. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Je ne sais pas. Et alors, je suis partie dans le bois, juste à côté de chez moi. J'étais ramassé des branches. Je les ai mises dans la caisse. Ah, tout à fait. Comme tu ça, peux toujours te les... Et je voudrais bien que tu les attrapes. Et on va essayer de faire quelque chose avec ça. Tu vas essayer de faire quelque chose. Oui, mais alors là, c'est dingue, là. C'est moi qui essaie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, le cadre, il n'est pas très sympa. Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose de plus sympa. Donc, on va se servir du bois. Hop. Ah, pour mettre autour du cadre? Pour mettre autour du cadre. J'ai amené ces cutters. Pour faire une déco sur le ré. Une fois qu'on aura donc choisi les morceaux de bois, parce qu'il faut un peu détordu, tu vois, que ça fasse quelque chose d'un peu rigolo, parce que si c'est tout droit, tout, tu vois, voilà, des petits morceaux comme ça. Parce qu'une fois qu'on va l'avoir, hein, on va couper un morceau de ficelle, tu vois, avec le ciseau. Quelle longueur? Une petite longueur, c'est juste pour la trancher. Non, mais au niveau des ciseaux, on a un sérieux problème à cette émission. Donc, on va accrocher notre bout de bois. Après, nous allons avoir besoin de notre super pistolet à colle. Mm-hmm. On va prendre un morceau de grillage à poule, d'accord, qu'on va couper à la dimension du cadre. Okay. On va venir... À la dimension intérieure du coup. Du bord, là. D'accord. Puisqu'on va venir le poser... l'arrière du cadre, alors là il faut le recouper, hein, puisque ouais, là, ouais. Et on va venir avec la graffeuse agrafer tout le grillage sur le bois du cadre, ce qui donnera après ça, d'accord. Alors on essaye de bien le tendre, hein, que ce soit bien tendu, voilà. Que ce soit oui, que ça soit complètement plat. Donc, ensuite, juste pour rappeler, c'est sur l'intérieur. L'intérieur. Le bord intérieur du cadre. De derrière. Ouais, derrière. Derrière. Voilà, derrière. On a bien compris. Donc compris. C'est derrière. Maintenant, on va aller devant. Okay. C'est devant. Et puisque notre pistolet à colle est chaud, nous allons venir coller notre morceau de bois. Différents morceaux de bois. D'accord. Donc, nous aurons le fond grillagé, nos morceaux de bois. Et là, comme c'est pas très sympa, pas très joli, on va prendre de la bombe argentée, noire, peu importe, de couleur rouge, verte, bleue, comme vous voulez, et on va bomber tout ça. D'accord. Donc, on bombe bois, cadre et grillage compris. Oui, oui. Okay. Donc, tu bombes avant de mettre le grillage si tu veux, pour mettre si le cadre. Après, voilà, c'est toujours pareil, on choisit, c'est l'imagination qui. Et à quoi va pouvoir donc servir après ce cadre? Bonne question. Oh les filles! Attacher des photos. Des bijoux. Ah des bijoux, oui. Des photos, donc ce sera mon bijou. Moi j'ai une grosse galère, c'est que je me perds toujours les boucles d'oreilles. Ah ouais, voilà. Parce que je les mets dans des pots, et puis j'en mets une dans un pot, l'autre dans un autre pot, et puis quand je veux m'en servir après, j'en ai toujours qu'une. Et donc au final, notre porte boucle d'oreille, au collier, on y accroche ce qu'on veut en fait. Et, voilà. Et après on décore, on met un ruban, on met ce qu'on veut. C'est pareil, libre cours à l'imagination. Aurélie, Carole, vous validez? Si vous validez pas, oui. On est trop. Ah c'est ça, c'est impeccable. Très beau. Et ça ne coûte rien puisqu'on est vraiment, on a on tout est dans récupéré. La si ce n'est, bon la peinture,
Voilà. Et en trouvant les boucles d'oreilles. Le plus cher, ça reste les boucles d'oreilles. Voilà. Voilà, vous retrouverez la fiche technique de l'activité de Karine sur notre page Facebook. L'occasion pour moi de vous dire que c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci Carole et Aurélie d'être venues nous rendre visite dans cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons Nathalie, tapissière, décoratrice ou tapissier, décorateur. C'est selon que vous verrez, on en parlera la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à lundi. Ciao.